Quel est le pire jeu Final Fantasy? Ne dites pas le 13, pas encore, c'est peut-être le 15, qui sait? Nope. Voilà le pire jeu Final Fantasy. Enfin, d'après Metacritic. Final Fantasy All the Bravest est un jeu mobile qui était, je cite, « insultant, un attrape-nigo, dépourvu de gameplay et qui exploite la nostalgie ». Et certains des meilleurs scores utilisateurs sont en fait des trolls. Ouais, ce type est un troll, c'est clair. Un jeu où il suffit de faire glisser son doigt sans arrêt sans réfléchir ne peut pas avoir de suite. On ne tire pas de jus d'une pierre, il vaut mieux une orange pour ça. Voilà. Mais qu'en est-il des autres jeux Final Fantasy? Sont-ils vraiment si loin derrière? L'allio à toi, magnifique petit Moogle. Aujourd'hui, j'aimerais passer en revue 5 des pires jeux Final Fantasy selon Metacritic. Vous connaissez Metacritic? Des critiques de qualité, pas vrai? Eh bien, je vais essayer de me concentrer sur quelques jeux et j'essaierai de déterminer pourquoi ils ont reçu de si mauvais commentaires des critiques et des utilisateurs. Notez cependant que ce n'est pas toujours mon opinion, que j'ai recherché toutes les critiques et les scores des utilisateurs et essayé d'obtenir les 5 pires jeux Final Fantasy, ou comment ruiner sa Saint-Valentin. Ce n'est pas qu'ils sont mauvais, sauf toi, mais plutôt qu'ils n'ont pas obtenu un score aussi élevé que les autres. D'ailleurs, le problème ne vient pas toujours du jeu lui-même, enfin, sauf pour toi, mais détends-toi. Si pour une quelconque raison vous n'êtes pas d'accord, partagez votre opinion dans la section commentaires. Ok, allons-y. Si Final Fantasy XIII fonctionne bien sur PS3 et Xbox 360, le portage PC était une grosse déception. Oui, le monde de Final Fantasy XIII est linéaire. Oui, l'histoire peut être trop dramatique, mais ce n'est pas le vrai problème ici. Le portage PC n'était qu'une version de mauvaise qualité d'un jeu déjà très controversé. La première fois que j'y ai joué, je n'ai pas pu regarder la cinématique d'ouverture car elle buguait tellement que j'avais l'impression de regarder un diapo sur PowerPoint. Certains utilisateurs ont signalé que le jeu comprenait des bugs, des mauvaises textures et des ralentissements. La plupart des problèmes ont été corrigés par un patch créé par des fans, mais ce n'est pas dans la version que vous achèterez. Comment est-ce possible? Je me le demande. Le manque d'options de base pour régler les paramètres graphiques, le fait que les raccourcis clavier n'avaient pas de sens pour moi, et que jouer en 720p était bouleversant. Donc en tant que joueur PC, je peux dire que ce portage est très décevant, quand j'arrive à y jouer. Yelling doesn't fix it. It's called interference. 13 est loin d'être le pire jeu de la série. Ce n'est pas Final Fantasy XIII, mais Final Fantasy TARDIS, car il est plus grand à l'intérieur. L'une de ses meilleures caractéristiques est de pouvoir créer de nouveaux paradigmes, en élaborant une stratégie de combat, les rendre plus excitants. Mais le jeu était très restrictif après les deux derniers. Ne pas pouvoir contrôler les deux autres personnages de l'escouade. Le fait que si le leader meurt, c'est game over. Ou que certains combats ne nécessitent qu'une seule stratégie pour être gagné. Ou qu'il faut constamment atteindre le niveau de crise pour infliger plus de dégâts. Tout ça fait partie du gameplay, donc ça dépend de vos préférences personnelles, je suppose. Mais la mauvaise optimisation sur PC n'a pas aidé, et on récolte ce que l'on sème. Combien de fois ai-je entendu que Final Fantasy II était un mauvais jeu? Je me demande. Final Fantasy II est un jeu décent dans la saga. En comparaison, la version iOS a obtenu 73 et la version Game Boy Advance a eu 79. Et dans les deux cas, le score moyen de l'utilisateur a fait mieux que le score moyen des critiques. Sauf pour la version PSP. Alors, que s'est-il passé? Le prix du portage était en fait trop élevé pour un jeu qui, par le passé, était sorti sur deux autres consoles. Et dans les deux cas, le jeu comportait le Final Fantasy original, ce qui signifie que pour le prix d'un jeu, on en achetait deux, mais pas avec la version PSP, non. Ce n'était rien d'autre qu'une amélioration cosmétique d'un port déjà existant. Certes, Final Fantasy II a un système de leveling plutôt bizarre, il n'en reste pas moins amusant et stimulant. Il est très ouvert, dès le début, et on peut choisir ou non de surentraîner ses persos. Et il n'y a pas besoin de se donner des coups comme le dit la légende, mais je suppose que ça sera le sujet d'une autre vidéo. Voilà un jeu de la saga bien étrange. The After Years est en fait une suite du jeu original initialement sorti sur Wii. C'est pour ça que la Wii a un score à peine meilleur que toutes les autres versions? Probablement oui, mais le jeu n'a rien d'extraordinaire non plus. C'est difficile de les comparer en fait. La version iOS était décente en ce sens qu'il s'agissait d'un remake 3D, semblable à celui de FF4. Sauf pour le boss final, le portage 3D était horrible. Sérieux, ça ressemble à un poids sirène sous stéroïdes. Mais le portage n'est pas le problème. Le vrai problème c'est que le jeu n'est qu'une refonte de l'original. Certaines caractéristiques sont inédites, comme les attaques de groupe et les cycles lunaires, ainsi que quelques rebondissements. Mais pour 90% du jeu, vous refaites exactement la même chose que dans FF4, sauf que vous repartez de zéro. Casse-toi, tu fais chier. Ouais, ouais. Le prix est bien trop élevé pour un jeu de cet acabit. Surtout quand on sait que le portage PC est instable, qu'il n'y a pas de doublage ou que du contenu a été retiré. Dans ta face, PC Master Race. Ce que The After Years a ajouté en termes d'histoire n'en vaut pas la peine.
Le jeu n'en vaut pas la chandelle si vous préférez. Je ne dirais pas que c'est une imposture, mais il s'agit tout de même d'une suite plutôt décevante. Et même si j'adore Final Fantasy IV, je n'arrive pas à entrer dans The After Years. Peut-être que si j'attends encore 17 ans... Ok, en voilà un gros poisson. Dungeon of Cerberus est un spin-off exclusif de Final Fantasy VII sur PC. Manifestement. Alors qu'est-ce qui a mal tourné? On sait tous à quel point il est difficile de dire quoi que ce soit de méchant, même un peu, à propos du 7ème Reich. Mais sommes-nous au moins d'accord pour dire que Dungeon of Cerberus était plus moyen que les autres titres de la méta-série? L'idée de présenter Vincent dans un jeu de tir d'action était, originale. Et je suis sûr que certains adorent ce jeu. Après tout, l'histoire est intéressante et il y a beaucoup de fanservice. Bon, après, je ne dis pas que le jeu n'est pas amusant, mais... à quoi s'attend-on quand on joue à Final Fantasy? Eh ben, sûrement pas à ça. Il y a de bonnes idées et des cinématiques assez décentes, mais il n'en demeure pas moins lacunaire et le gameplay reste malgré tout très répétitif. Comme si Final Fantasy VII et Castlevania avaient eu un gosse après une longue nuit d'ivresse ensemble. Comme si on achetait un jeu Tomb Raider et qu'on se retrouvait à jouer à une sorte de dérivé d'un jeu Uncharted. Oh mince, au moins les sociétés de jeux ont compris comment tirer profit de votre nostalgie. Le doux parfum de la nostalgie convient parfaitement pour les vaches à lait, et Final Fantasy VII en a fait beaucoup. What? Et ça continue, il faut encore presser le jus de cette orange. Mais Dungeon of Cerberus? Non, disons que c'est le titre le plus pauvre de la compilation. Alors à quand un FPS avec Irvine de FF8? Sauf qu'il faudra rater sa cible pour faire grimper son score. Peut-être alors je serai un bon joueur. C'est nul! Final Fantasy XIV est probablement l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai jamais joué et je suis sûr que beaucoup conviendront que Shadowbringers a été une grosse claque dans la face. Mais si vous ne l'avez jamais essayé, vous ne savez peut-être pas que les choses étaient très différentes lorsque le jeu a été lancé en 2010. Final Fantasy XIV 1.0 avait du potentiel, mais beaucoup de problèmes. L'interface mal fichue, le système de chat primitif, pas de vente aux enchères, des fonctions de recherche limitées, impossible de reconfigurer les contrôles au clavier, pas de marqueur pour les quêtes, les animations étaient lentes, on ne pouvait pas sauter, et la caméra se verrouillait pendant le combat. Le jeu était censé inaugurer la prochaine génération de MMO, mais ça ressemblait à un jeu sorti 10 ans plus tôt, avec des graphismes modernes, parce que oui, le jeu était vraiment très beau, ça en est carrément devenu un mème sur internet. But does it still look pretty? Les choix de conception étaient obsolètes, comme si aucun progrès n'avait été fait depuis Final Fantasy XI en 2002. 2002! Je ne dis pas que je n'aime pas Final Fantasy XI, il y avait des trucs relous, mais c'est compréhensible pour un jeu de presque 20 ans. Mais imaginez si vous preniez tout ce qui est ennuyé dans le 11 et le mettiez dans un MMO moderne. Nope. Final Fantasy XIV était censé être une révolution, mais il a raté le coche et n'a pas répondu aux attentes. Le lancement original a été si catastrophique que le jeu a dû être arrêté. Et Square Enix a répondu à ceux qui se plaignaient « Joueur, ajustez-vous, je sais bien qu'il y aura toujours des gens qui soutiennent la 1.0 et qui vous diront qu'il faut rendre sa grandeur et ses copier-coller à Eorzea et qui brûlent des Lalafell dans l'espoir d'un avenir meilleur. » C'est vrai que Final Fantasy XIV est devenu un peu comme WoW, mais c'était un mal nécessaire. Et puis en plus, c'est faux. Mais en ciblant un public trop restreint, on ne peut espérer conquérir le marché. Rien d'étonnant à ça. Et à ce stade, ce n'est plus Final Fantasy XIV, mais Final Fantasy XIV. Je plaisante. Ou pas. Je pourrais continuer encore longtemps à vous parler des jeux Final Fantasy sur Metacritic, mais j'ai choisi de me concentrer sur ces 5 là parce que je les ai trouvés plus intéressants. Mais si vous voulez que je parle des pires jeux FF selon GameFAQs, faites-le moi savoir. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de laisser une impression, bonne si possible, et à la prochaine fois pour un nouvel épisode passionnant de Chocobo in Space. There once was a ship that put to sea, and the name of the ship was the Belly of Tea. The winds blew hard, her bowed it down, oh blow me, bully boys, blow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.